Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous entamez le mois de juin de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2019 avec une nouvelle formule. Hein. J'ai décidé de faire maintenant les vidéos des énergies du mois de façon différente. Alors, les énergies sentimentales resteront les mêmes, hein, ça sera signe par signe, mais pour les énergies du mois, ça sera par catégorie, hein, les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Ne vous inquiétez pas, malgré qu'il y a ce changement, pardonnez-moi, je vais juste un petit peu ajuster la caméra. Alors, malgré qu'il y a ce changement, nous avons ici des cartes. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2019 pour les signes, le signe de terre, hein? Les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Alors, on a ici un tronc commun, c'est-à-dire que ces cartes-là, c'est pour tous ces signes, mais à la fin du tirage, donc ce sont les énergies dominantes hein, pour les signes de terre. Mais à la fin du tirage, je ferai une coupe pour chacun des signes. Hein? Donc, pour le taureau, une coupe pour la vierge et une coupe pour le capricorne. Donc, ça sera comme ça pour toutes les catégories aussi. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler avec ma clé de la destinée que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que les messages que vous recevez ici sont des messages non de fatalité, mais des messages de possibilité, et qu'à tout moment dans votre vie, si vous n'êtes pas satisfait de quoi que ce soit, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses, d'accord? Alors, vous avez vraiment le plein pouvoir sur votre vie ici. Je vous rappelle également d'aller voir peut-être les vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information, hein, bien sûr, parce que ce sont des tirages d'ordre général, donc ça ne peut pas concerner tout le monde et en même temps également. Alors, allez voir aussi les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire dans la catégorie correspondante. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers signes de terre, hein? Donc taureau, vierge et capricorne. Alors, on a ici, je vais vous expliquer, on a le domaine du travail, le domaine relationnel ou le domaine professionnel, domaine relationnel et domaine de la santé, mais la santé en général. Donc, ça peut être, il peut s'agir de la santé physique, de la santé émotionnelle et psychologique aussi, mais aussi de la santé spirituelle. Et on a une petite carte d'éclaircissement aussi. Alors, dans le domaine professionnel, on commence avec la carte de la tempérance, hein, d'accord? Alors, la carte de la tempérance vient nous dire ici, justement, d'être dans une énergie de modération. On va éclaircir un peu plus loin tout à l'heure, mais on vient vous donner le conseil de tempérer, de vous tempérer, de vous modérer. Peut-être au niveau du temps que vous passez au travail, de chercher un certain équilibre, peut-être aussi de vous modérer dans vos comportements ou dans vos paroles, par exemple, hein, avec vos collègues, peut-être qu'il y a certains conflits, puis on vient ici vous dire de mettre de l'eau dans votre vin, mais on vient quand même vous parler d'un certain équilibre ici, hein, la recherche d'un certain équilibre et d'une modération également ici. Donc, tempérance, c'est ce que ça vient vous dire, hein, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus équilibré, d'accord? On va éclaircir un peu plus loin. Maintenant, au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, il peut s'agir de relations amoureuses, il peut s'agir de relations amicales, il peut s'agir aussi de relations avec vos collègues de travail, ça peut parler de la famille également, ça peut parler également de simples connaissances. Hein? C'est vraiment le domaine général relationnel.
Alors, on a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle entre autres d'indécision. Alors, vous avez peut-être une décision à prendre hein, pour X raisons et vous avez de la difficulté à prendre cette décision-là. Vous êtes indécis. Mais ça peut aussi vous dire que vous avez peut-être certaines vérités à dire et que vous n'osez pas les dire, hein. Vous voyez le personnage a un bandeau sur ses yeux. Et on voit ici les épées, ce sont, en fait, ça nous parle de l'intellect, de l'intelligence et de l'intellect, hein. Vous avez peut-être des pensées, vous avez peut-être des choses, vous pensez peut-être certaines choses, mais vous n'avez pas vérifié avec l'autre personne pour voir si ces pensées-là sont fondées. Donc, vous devez faire face, hein, enlever le bandeau de vos yeux et voir la vérité en face. Votre propre vérité, mais aussi de voir la vérité des autres en face. Et ça vous invite vraiment à dire, parce que souvent dans le domaine relationnel, c'est qu'on a de la difficulté à dire nos vérités ou à dire ce que l'on pense parce qu'on a peur des conflits. On a peur de ce que l'autre va, comment l'autre va réagir, hein. Donc, on préfère se taire parfois. Et ici, ça crée chez nous, en nous un conflit intérieur parce qu'on voudrait tellement dire ce qu'on a besoin de dire, mais en même temps, on veut protéger l'autre, hein. Donc, c'est jamais bon de ne pas dire sa vérité. On a ici l'élément de la lune aussi qui vient nous dire de faire confiance à votre intuition. D'accord? Le 2 d'épée, c'est vraiment ça. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, d'accord? Si vous avez besoin de dire certaines choses, n'hésitez pas à le faire. Choisissez peut-être les mots, choisissez peut-être la façon de le faire, de le dire, mais c'est important de dire votre vérité. Maintenant, au niveau de la santé, que ce soit la santé physique, émotionnelle ou spirituelle, hein, d'abord, premièrement, j'aimerais vous dire que pour vous, les taureaux, bon, ce sur quoi vous devez, comment je pourrais dire, pas focusser, mais plutôt porter une attention particulière, hein, les taureaux, toujours, c'est vers, au niveau de la gorge, au niveau du cou, hein, peut-être certaines vertèbres, peut-être aussi attention aux infections au niveau de la gorge, hein, les grippes, les rhumes et tout. Alors, les taureaux, soyez prudents envers ça. Pour ce mois-ci, les vierges, je vous dirais plutôt de faire attention à votre système nerveux, à votre système digestif également. Faites attention à la façon que vous avez de vous nourrir hein, pour éviter des malaises ou des inconforts. Hein. Et finalement, pour les capricornes, bien, il faut surveiller au niveau des os, peut-être au niveau des genoux, des tibias, des chevilles. Alors, vous avez peut-être une certaine fragilité hein, à ce niveau-là. Donc, c'est ces aspects-là que vous devez surveiller. Donc, ça, c'est pour le niveau physique. Maintenant, au niveau émotionnel, au niveau spirituel également, hein, on vient nous parler ici. Normalement, je sors une seule carte, mais il y a deux cartes qui sont sorties pour vous. Alors, pour les signes de terre. Donc, pour les signes de terre, je vous dirais de faire attention au niveau émotionnel, dans le sens que vous êtes des gens qui vous préoccupent. On a la reine de coupe ici, qui vous préoccupez beaucoup de ce que les autres vont ressentir. D'ailleurs, on le voit ici au domaine relationnel, hein, vous hésitez à dire votre vérité pour ne pas blesser l'autre personne. Alors, peut-être que vous vous préoccupez vraiment beaucoup des émotions des autres qui vous entourent. Donc, faites attention de ne pas être submergé par les émotions des autres, hein, ce qui va vous empêcher, vous, de trouver votre confort, hein, ici, ou de trouver votre équilibre dans dans votre santé émotionnelle. Et au niveau spirituel également, bien, peut-être que vous avez des choses à apporter aux autres, bien sûr, mais on sent ici que peut-être il y a une certaine insatisfaction. Il y a peut-être un manque,
Vous avez envie peut-être de vous élever au niveau spirituel, mais vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait des progrès que vous faites déjà. Alors, je vous dirais, mes chers signes de terre, hein, d'être heureux, d'être content de ce que vous accomplissez. Où est-ce que vous êtes rendu présentement dans votre vie, dans le domaine spirituel? Soyez satisfait de vous, hein. Vous avez fait des efforts, vous avez réussi à comprendre certaines choses, vous avez réussi à intégrer certaines choses dans votre vie. Alors, la seule chose qui serait peut-être importante d'intégrer vraiment, c'est la gratitude, hein. Le 4 de coupe nous parle d'insatisfaction, nous parle de quelqu'un qui rêve toujours à plus, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a présentement. Alors, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez présentement et soyez assurés que si vous êtes dans la gratitude, si vous êtes reconnaissant, hein, pour ce que vous avez déjà, l'univers va vous emmener, va vous apporter davantage dans votre vie. D'accord? Alors, essayez d'être heureux et content de ce que vous avez présentement dans votre vie. D'accord? Et on nous parle en carte d'éclaircissement pour le tirage, et on va éclairer encore plus, de déménagement. Alors, peut-être qu'il y aura la notion de déménagement ici. On va essayer d'aller voir de quoi il s'agit un peu davantage, un petit peu plus loin ici. D'accord? Donc, on va commencer avec, je vais pousser un peu les cartes ici là, pour que vous puissiez mieux voir. Pas beaucoup d'espace, hein? Donc, au niveau professionnel, d'abord, on va commencer avec le niveau professionnel. Donc, s'il vous plaît, éclairez le niveau professionnel. Pourquoi la carte de la tempérance est-elle apparue? Parfait. On commence. Je demande toujours deux ou trois cartes. Hein. Alors, éclairez, s'il vous plaît, davantage la carte de la tempérance, c'est-à-dire la carte tempérance. Hein. On a toujours tendance à dire la tempérance, mais c'est vraiment tempérance. Alors, pourquoi la carte de tempérance est apparue au niveau professionnel? Éclairez, s'il vous plaît, davantage. Ouf, beaucoup trop de cartes ici. On dirait qu'il y a beaucoup de messages qui veulent sortir pour vous. Les signes de terre au niveau professionnel. D'abord, on a commencé avec le 3 de coupe. Merci. Et une dernière. Voilà. OK. Ouais. OK. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, hein, pourquoi on vous parle de tempérance, pourquoi on vous parle de modération, c'est que vous avez peut-être à plusieurs niveaux de la difficulté à trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et votre vie sociale également. On a d'abord le 3 de coupe, hein. Le 3 de coupe nous parle, bon, ça peut nous parler d'amitié fidèle, bien sûr, mais ça nous parle également de festivité, hein. Probablement que vous êtes des gens qui accordez beaucoup d'importance, justement à vos amis, hein, au temps que vous passez avec vos amis, et vous avez peut-être tendance à trop, comment je pourrais dire, je ne veux pas vous contraindre ici, hein, mais peut-être trop vous amuser, peut-être en semaine, hein, ou pendant la période où vous devez aller travailler. Alors, peut-être que vous passez vos soirées avec entre amis, à boire de l'alcool, à fêter. Peut-être que vous vous couchez très tard ou très tôt la nuit. Et ce qui vous empêche d'être à votre meilleur, hein, le lendemain, à votre travail, en fait, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous parler un peu de tempérance, de modération ici, parce que vous avez peut-être tendance à trop festoyer pendant, pas pendant les heures de travail, mais en fait pendant la période où vous devriez vous reposer pour être à votre meilleur le lendemain. Alors, supposons,
Vous finissez votre journée de travail et vous décidez d'aller, par exemple, souper au restaurant avec des amis. Et ensuite, vous décidez d'aller en boîte, en discothèque. Peut-être que vous décidez ensuite d'aller dans un bar et boire encore de l'alcool. Alors, il y a peut-être un manque d'équilibre ici. Trop de festivités, trop de laisser aller à ce niveau-là, d'accord? Peut-être que vous pourriez réserver ces moments-là pendant le week-end, hein, au moment où vous n'avez pas le travail le lendemain. Donc, tempérance vient vous dire justement de vous modérer, hein, on voit les fluides ici. Alors, tempérez peut-être vos excès ici. Peut-être aussi tempérer au niveau amoureux. On voit ici un chevalier de coupe qui est ici. Alors, là, on est dans le domaine professionnel. Alors, je ne parlerai pas du domaine amoureux ici, hein. On est vraiment dans le domaine professionnel. Donc, ce que Tempérance vient nous dire ici, non seulement vous avez de la difficulté au niveau de vos amusements, hein, festivités, amusements et tout ça, vos loisirs, vos divertissements, mais aussi peut-être au niveau relationnel, c'est-à-dire que vous donnez peut-être beaucoup de temps à votre partenaire ou à votre conjoint ou à votre nouvelle flamme, hein, parce que j'ai plus l'impression ici qu'il s'agit d'une nouvelle flamme, hein. Vous êtes chanceux, chanceuse, hein, vous avez quelqu'un de bien dans votre vie, quelqu'un qui vient vous chanter la pomme, et peut-être que justement, cette personne-là qui vient vous chanter la pomme, bien, il faut faire attention, hein, parce qu'il est tellement charmant et charmeur, il ou elle, hein, tellement charmant, charmeur ou charmante et charmeuse, que vous en oubliez que vous avez des responsabilités au niveau professionnel et que vous vous amusez outre mesure peut-être hein, avec cette personne-là, ce qui fait que vous n'êtes pas en forme le lendemain pour aller travailler. Donc, c'est vraiment un conseil, c'est vraiment peut-être même un avertissement ici, hein, parce qu'on nous parle ici. Avec la troisième carte, on a le 5 de denier. Hein. On vient nous dire que vous allez peut-être avoir besoin d'aide au niveau financier parce que si vous avez l'habitude de faire des excès, mais vous avez peut-être l'habitude de dépenser beaucoup d'argent également dans vos loisirs. Hein. Donc, dans le domaine professionnel, on vient vous dire que tout ça, ça a un impact. Ça a un impact sur votre vie professionnelle. Vos amusements, vos divertissements avec votre nouvelle flamme peut-être. Hein. Vous êtes peut-être en train de négliger en fait le domaine professionnel. Et il faut vraiment être prudent pour ne pas dépenser trop d'argent ici parce que vous allez vous retrouver dans une situation de manque. Hein. Vous allez vous retrouver dans une situation où peut-être vous allez même devoir piler sur votre orgueil pour aller demander de l'aide hein, parce que vous avez trop dépensé. D'accord? Alors, il faut vraiment trouver un équilibre, de la modération dans vos activités ici. Donc, c'est ce que je ressens pour le niveau professionnel. Peut-être que vous allez recevoir une proposition aussi hein, pour certains d'entre vous qui va vous allécher, hein, une proposition alléchante, mais soyez prudent aussi au niveau de cette proposition-là parce que elle va vous sembler alléchante, mais peut-être qu'elle va s'avérer être moins intéressante que prévu, hein, que ce qu'on vous a laissé miroiter en fait. D'accord? Donc faites attention parce que vous pourriez être perdant un peu dans cette situation-là également. D'accord? C'est ce que je ressens aussi au niveau professionnel pour vous. Maintenant, on va passer au domaine relationnel, donc avec le 2 d'épée, ici on a parlé que le 2 d'épée vient vous dire, s'il vous plaît, de dire votre vérité. Choisissez les mots, choisissez la façon de dire les choses, mais dites votre vérité.
Suivez également votre intuition. Hein. On a la lune ici qui apparaît, donc suivez votre intuition. Peut-être que vous ressentez des choses et que vous faites abstraction de ce que vous ressentez. Donc, ce que vous ressentez, c'est souvent la vérité. Mais il faut vraiment faire, comment je pourrais dire, il faut faire attention parce que on peut souvent mélanger dans notre esprit le ressenti et les idées les idées préconçues que l'on se forge, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire attention ici. Est-ce que c'est vraiment un ressenti profond ou bien ce sont vraiment des idées préconçues que vous vous forgez vous-même, hein? Donc, essayez ici d'enlever le bandeau de vos yeux pour voir la vérité en face. Demandez des comptes s'il y a des comptes à rendre ici. Et suivez ensuite votre intuition, d'accord? On va aller voir, essayer d'éclairer qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi vous êtes indécis, pourquoi vous avez de la difficulté à voir la vérité en face, qu'est-ce qui vous dérange ici? Alors, pour les signes de terre, s'il vous plaît, un éclaircissement pour la carte du 2 d'épée qui est apparue ici, au niveau relationnel. Éclairez, s'il vous plaît, au niveau relationnel. La carte du 2 d'épée. La carte, s'il vous plaît, l'éclaircissement. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour les signes de terre ici? D'accord, merci. Alors, qu'est-ce qui est apparu ici pour nous? 8 de bâton. Les amoureux, waouh, quelle belle carte, hein, les amoureux. Ok, alors, au niveau relationnel, hein, on se rappelle que le niveau relationnel peut concerner la vie sentimentale, la vie amicale et ou la vie aussi avec la famille ou les collègues. Hein. Donc, c'est vraiment un tirage général. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est une question amoureuse. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé très, très rapidement, un changement très, très rapide ici pour vous. On a le 8 de bâton. Alors, probablement que votre situation pardon, sentimentale a changé rapidement. Peut-être c'est quelque chose de nouveau dans votre vie et qui est arrivé très rapidement. Hein? C'est un nouvel amour probablement pour certains d'entre vous. Mais on sent ici qu'il y a de l'indécision et un choix à faire. Et on a ici la reine de coupe à nouveau. La reine de coupe apparaît à deux endroits ici. Hein. Donc, la reine de coupe qui se présente également. Alors, pour éviter probablement justement, parce que vous êtes très, on l'a vu ici tout à l'heure hein, quand on a commencé la vidéo, que la reine de coupe nous a dit que vous êtes des gens qui avaient peur probablement de blesser les autres ou de blesser l'autre, hein. Et c'est ce qui fait que vous vous empêchez de dire une certaine vérité, mais ça peut être néfaste pour vous au niveau spirituel ou au niveau de votre santé mentale, psychologique, émotionnelle. D'accord? Alors, on a encore la reine de coupe qui se présente ici. Donc, vous faites peut-être passer l'autre personne avant vous, hein. Le côté amoureux ici, j'essaie de comprendre pourquoi il y a une indécision ici. J'ai besoin encore, pourquoi l'indécision au niveau relationnel, amoureux? Il peut s'agir d'amitié aussi, mais pourquoi cette indécision? Ok, je crois que je viens d'avoir quelque chose qui vient de se passer. Ok, alors vous êtes vraiment très chanceux hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a un très... Vous avez l'as de coupe, hein?
Donc, c'est un très bel amour ici qui se profile pour vous. Si ce n'est pas déjà une relation bien entamée, c'est probablement un nouvel amour, une nouvelle rencontre que vous avez faite. Mais on sent qu'il y a une indécision ici. L'indécision vient du fait probablement qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans votre relation. Il y a quelque chose qui arrive dans votre relation qui fait en sorte que vous êtes indécis. Mais je n'ai pas l'impression que vous êtes indécis par rapport à cet amour-là. Vous êtes plutôt indécis parce que c'est quelque chose d'extérieur qui arrive. L'amour est présent, hein? On voit l'amoureux est présent, l'amour est présent, mais il y a un choix à faire ici. Et j'ai l'impression que le choix ici, c'est par rapport à la carte d'éclaircissement ici dans le tronc commun qui était la carte déménagement. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau amoureux, il n'y a pas de problème au niveau de la relation. Tout simplement, il y a quelque chose qui est survenu, peut-être au niveau professionnel, hein, de part et d'autre, soit de vous ou votre conjoint, conjointe, on vous demande de déménager pour la question professionnelle. Peut-être que vous avez eu la proposition d'emménager avec votre conjoint ou votre conjointe, hein, et ça vous met dans l'indécision parce que même si l'amour est là, peut-être que vous n'êtes pas prêt à emménager avec cette personne-là, mais que vous avez de la difficulté à dire cette vérité. Peut-être que c'est vous qui avez demandé aussi à l'autre d'emménager avec vous. Pardon, en faisant fi de vos besoins réels, hein. Peut-être que l'autre personne est dans le besoin, un besoin quelconque, et que parce que vous avez peur de blesser l'autre, vous avez peut-être accepté qu'il ou elle emménage avec vous, mais au fond de vous, vous êtes indécis, hein. C'est pas nécessairement ce que vous souhaitiez, en tout cas pas pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous appelle à écouter votre intuition ici. Il y a un changement qui survient très rapide ici. D'accord? Pour vous, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre parce qu'on sent un amour réel, un amour profond, un amour sincère ici. D'accord? Mais osez dire votre vérité. Si vous n'êtes pas prêt ou prête pour un emménagement, un déménagement, peu importe, hein, dites votre vérité. Ceux qui sont déjà dans une relation bien entamée, c'est peut-être parce que la notion de déménagement ici, c'est peut-être le fait que vous avez envie. Un de vous deux a envie de changer d'endroit, peut-être de déménager quelque part ailleurs, hein, soit complètement changer de ville ou bien tout simplement changer de maison, acheter une maison par exemple, et vous n'êtes pas prêt à ça tout de suite, tout simplement. D'accord? Alors, l'amour est présent, ça, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, mais c'est un changement trop rapide, trop brusque qui arrive. Et qui vous met dans l'indécision ici. D'accord? Alors, apprenez à communiquer tout simplement vos ressentis. D'accord? Alors, voilà pour le domaine relationnel ici pour vous. Maintenant, on passe au domaine santé, spirituel. Je vais juste pousser un peu les cartes, hein, parce que vous n'allez pas voir toutes les cartes. Un très beau tirage ici pour le domaine relationnel. Le domaine santé physique, émotionnelle et spirituelle, hein, bien, on a, comme je vous ai dit, la reine de coupe et le 4 de coupe aussi. Donc, vous êtes vraiment dans les coupes. Par contre, au niveau, alors je vous ai dit d'être dans la gratitude, hein, pour ce que vous avez déjà et aussi de faire attention à ce qu'on vous demande parce que on a tendance à vous en demander beaucoup parce que vous êtes des gens protecteurs, vous êtes des gens qui se soucient vraiment du bien-être des autres qui vous entourent. Mais ceci dit, le fait que vous êtes
comme ça de nature, parfois on peut avoir tendance à vous en demander trop. Alors, on va aller éclairer un petit peu la carte de la reine de coupe, s'il vous plaît. Éclairer la carte de la reine de coupe. Pourquoi la carte de la reine de coupe s'est présentée au niveau de la santé? Pour les signes de terre, pour les énergies du mois de juin 2019. Alors, une première carte s'est présentée. Et une deuxième. Alors, ouais. Alors, vraiment, j'ai cette impression vraiment hein, que c'est. Alors, on a le chevalier. Vous êtes vraiment dans les coupes. On a le chevalier de coupe et le chariot. Alors, au niveau. Si vous vivez beaucoup d'indécision ici et qu'on a tendance à vous en demander trop et que vous avez tendance à en donner trop aussi, hein, peut-être que vraiment ça part d'un bon sentiment hein, de l'autre personne, bien sûr, ou des autres personnes. Ça part d'un bon sentiment. C'est quelque chose qu'on veut peut-être bâtir avec vous. On veut. Solidifier les liens amoureux, émotionnels. On veut peut-être même créer une famille ici, hein. On a le chariot. Donc le but, l'objectif premier, c'est de solidifier peut-être votre relation, que ce soit amoureux, amical ou quoi que ce soit, hein. On veut solidifier quelque chose ici. On a un but bien précis, un objectif bien précis ici. Peut-être l'envie de former une famille, mais je vous dirais vraiment de suivre votre intuition, je vous dirais vraiment de dire votre vérité. Si vous n'êtes pas prêt à ça, même si vous avez peur de blesser l'autre, il vaut mieux blesser l'autre pour le moment et lui expliquer plutôt que de vous embarquer dans quelque chose et complètement mettre fin à cette relation-là. C'est ce que je ressens ici pour vous. D'accord? Alors, prenez soin de votre santé émotionnelle, peut-être même aussi au niveau spirituel. Vous avez peut-être besoin de plus de temps pour vous, pour être plus solide au niveau spirituel également. Vous avez peut-être un travail à faire au niveau spirituel aussi. Et vous avez besoin de toute votre. Vous avez besoin d'un peu de solitude encore pour un certain temps, d'accord? Ici, on va éclairer la carte de l'insatisfaction. Qu'est-ce qui vous rend insatisfait au niveau physique, émotionnel, psychologique, peu importe, hein, spirituel également? Qu'est-ce qui vous rend insatisfait en ce moment? Et comment faire pour pallier à ça? Alors, pour les signes de terre, spirituel, émotionnel, physique. Oh, j'ai beaucoup de cartes ici qui sont tombées. Alors, wow, première carte, donc c'est le roi de deniers. Alors, vous êtes peut-être insatisfait de vos ressources financières, hein, peut-être que vous considérez que ce n'est pas le moment d'emménager avec qui que ce soit pour le moment parce que vous n'avez pas encore assez les ressources, en tout cas que vous voudriez avoir avant de faire un tel pas dans la vie. J'ai l'impression également que vous avez par le passé peut-être vécu des situations semblables hein, et que là vous êtes en train, vous avez besoin de solitude encore. Oui, c'est ce que je vous disais ici, hein. On a le 9 de bâton. Vous avez peut-être encore besoin d'un certain temps de solitude pour réfléchir à la façon que vous pourriez faire les choses autrement parce que vous avez peut-être vécu certains échecs auparavant et vous voulez. Réfléchir à la façon de mieux faire les choses présentement. D'accord? Alors, ici, ça concerne la santé physique, émotionnelle, spirituelle, hein? La santé dans sa globalité ici.
Alors, pour vous assurer de garder votre équilibre mental, votre équilibre, votre santé physique également, votre santé spirituelle, vous êtes insatisfait de vos ressources. Vous avez besoin de réfléchir à la façon dont vous allez faire les choses autrement. On a ici aussi la lune qui est apparue. Alors, j'ai l'impression que vous avez des peurs secrètes, hein? Vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dérange et qui vous fait peur dans le fait de peut-être d'emménager avec la personne ou de déménager, de changer de ville, de changer d'endroit. Vous avez des peurs secrètes, hein? On le voit ici, l'indécision, que vous avez peur de dire les choses, hein? Donc, c'est des peurs secrètes ici. Vous avez peut-être peur, ici on a la carte des amoureux qui est tombée, qui s'est présentée de façon inversée. Alors vous avez peut-être peur, la peur que vous ressentez ici, c'est peut-être la peur de perdre cette connectivité ici avec la personne, hein. Le fait d'emménager avec cette personne-là, peut-être que vous avez peur ici de perdre ce beau cadeau d'amour que vous avez, cette belle connexion, hein. Ici. Parce qu'ici, la carte des amoureux s'est présentée à l'endroit, tout allait bien. La sincérité des sentiments, elle est là. Le cadeau d'amour, il est là. C'est un nouveau départ, un nouvel amour. Hein, ça, tout va bien. Mais parce qu'il y a quelque chose qui vient changer la donne très rapidement, hein, avec cette question de déménagement. Vous avez peut-être peur de perdre cette connectivité-là avec l'autre personne et ça peut vous rendre instable dans votre santé émotionnelle, dans votre santé spirituelle aussi. Il y a quelque chose qui vient d'être ébranlé. Alors, c'est pour ça que vous sentez peut-être une certaine insatisfaction parce que vous n'arrivez pas à dire votre vérité ici. Et justement, on a le 5 d'épée également qui s'est présenté. Alors, il faut évaluer, hein, pour voir si tout ça vaut la peine. Donc, peu importe ce que vous allez choisir, hein, de faire, est-ce que cette relation, la relation, on sent que ça vaut la peine, mais est-ce que ça vaut la peine de tout de suite partir et d'emménager avec cette personne-là? Est-ce que ça vaut la peine de taire vos émotions, de taire votre vérité? Est-ce que tout ça vaut la peine, d'accord, de vous empêcher aussi peut-être de vivre cet amour-là complètement en vous abandonnant. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, dans le fond, ici, vous êtes en train de réévaluer, d'évaluer la situation pour vous. D'accord? Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire la coupe. Pour chaque signe, taureau, vierge, capricorne, pour chacun individuellement. Et parfois, quand je tourne les cartes, quand je brasse les cartes, il y a des cartes qui sautent. Donc, ce sont des messages particuliers à chacun des signes. Donc, maintenant, pour le taureau. Alors, voyez-vous, pour le taureau, vous avez la belle carte des amoureux. Vous avez trois fois la carte des amoureux qui apparaît dans votre tirage. Donc, pour les taureaux, dites-moi pourquoi la carte des amoureux est tombée ici. Alors, peut-être que si vous êtes indécis, hein, peut-être que les cartes viennent vous dire ici aujourd'hui, ne soyez pas trop longtemps indécis. Voyez-vous, vous avez la carte du roi de coupe. Alors, montrez vos émotions. La dame de coupe ici, elle montre ses émotions. Alors, on vous dit, faites confiance en l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Hein. Les choses vont bien aller. Enlevez le bandeau de vos yeux. Voyez la vérité en face. Peut-être que vous êtes arrivé au bon moment où vous pouvez emménager avec l'autre personne. Hein. Si c'est ce qui vous fait peur, on vient vous dire ici que vous avez un amour précieux. Un bel amour, hein? Regardez la belle carte des amoureux ici pour vous. D'accord? Vous avez une très. Là, je parle des taureaux présentement. Vous avez vraiment une combinaison de cartes excellente.
Voyez-vous, vous avez l'amoureux, vous avez l'amoureux à nouveau, vous avez l'amour ici, le cadeau de l'amour inconditionnel ici. Vous avez l'amoureux, l'amoureux à nouveau, la reine de coupe et le roi de coupe ici. Alors, vous ne pouvez pas demander mieux. Donc, si vous hésitez, c'est probablement des idées préconçues que vous vous faites ici, hein, les peurs que vous vous créez ici par rapport à l'emménagement avec l'autre personne, hein. Ici, vraiment, les taureaux, vous avez vraiment un très beau jeu. Ce n'était pas supposé être un tirage amoureux, hein, mais il semble que ça tire vers le tirage amoureux ici pour vous. La seule chose que je vous dirais, c'est d'être prudent, prudente, hein, et peut-être que, vous savez, peut-être que le fait d'emménager avec cette personne-là, ça va venir rééquilibrer les choses ici dans le domaine professionnel, hein. Je vous disais que vous accordiez beaucoup trop de temps, d'énergie, de tout ça, aux festivités, au nouvel amoureux, et que peut-être que ça pourrait vous mettre dans l'embarras au niveau financier, hein. Mais peut-être que le fait de décider d'emménager avec cette personne-là, si telle est votre situation, ça va peut-être venir équilibrer, hein, cet aspect-là ici au niveau professionnel, parce que là, il y a une certaine habitude qui va rentrer en ligne de compte et vous allez être obligé, vous allez rencontrer des responsabilités financières et ça va peut-être vous stabiliser. Donc, vous allez peut-être modérer vos sorties, modérer l'alcool, hein, les plaisirs aussi. Et peut-être le fait d'être dans une certaine routine, hein, bien, vous allez peut-être diminuer un petit peu la passion ici du chevalier de coupe, hein, ici. Alors voilà. Donc, c'est vraiment un beau tirage pour vous, les taureaux, mais la seule chose, c'est vous, hein, qui décidez ce que vous faites avec le message reçu. Vous avez la clé de la destinée et c'est vous qui décidez si vous êtes prêt ou non à passer à la prochaine étape ici. D'accord? Maintenant, je vais faire... je dois faire la coupe également pour vous, les taureaux. Donc, la coupe, c'est encore un message supplémentaire. Donc, la coupe, s'il vous plaît, pour les taureaux. C'est vraiment génial. Alors, vous avez encore Tempérance qui vient vous parler, mes chers taureaux. Alors, Tempérance, c'est vraiment de mettre un frein ici sur vos activités, sur vos... vous voyez, là, ici, on parlait de dépenser beaucoup d'argent dans l'alcool, dans les festivités, dans les sorties, hein. Alors, venir tempérer. On avait Tempérance ici, hein, dans le tronc commun, et la Tempérance, et Tempérance se présente à nouveau pour vous, les taureaux. Alors, vraiment, vous devez vous modérer, et comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est la meilleure chose, hein, à faire si le déménagement avec la personne ici, peut-être que ça va venir équilibrer votre vie un petit peu. Et vous avez ici le l'as de bâton. Alors, vous êtes vraiment choyé. Vous avez deux as. Vous avez l'as de coupe de l'amour inconditionnel. L'as de bâton ici qui vient nous parler de passion, qui vient nous parler d'inspiration ici, qui vient nous parler aussi de travail. Alors, le fait de rééquilibrer tout ça ici va peut-être vous équilibrer au niveau du travail également et vous éviter, hein, ici le manque de ressources financières. Alors, vraiment, vous avez un beau tirage pour vous, les taureaux. Très beau tirage. Maintenant, je fais la coupe pour les vierges. Donc, peut-être des cartes d'éclaircissement aussi pour les vierges. Et la coupe pour le mois de juin 2019. Signe de la Vierge, énergie générale. Wow! Beaucoup, beaucoup de cartes. Non, pas tant que ça, on en a trois. Alors, on va commencer avec...
Ouais, ok. Ok, alors c'est parfait. Donc, pour vous les vierges, alors il s'agit la même chose hein, ici. Il s'agit pour vous de vous tempérer par rapport à certaines dépendances que vous avez peut-être hein, ici. On a parlé vraiment du côté de modération au niveau des festivités. C'est la même chose pour vous. On sent qu'il y a une certaine dépendance à certains trucs, hein, peut-être alcool, peut-être certaines drogues, peut-être aussi au niveau sexuel, hein, qui vous empêche d'aller au travail frais et dispos. Alors, on vient vraiment vous dire que vous devez changer cette attitude. On a la carte ici de la transformation, hein, la carte de la mort ou de l'arcane sans nom. Donc, quelque chose doit changer ici pour vous éviter hein, d'être perdant ici, vous éviter d'être dans le manque au niveau financier. Hein, parce que le diable ici nous parle aussi du domaine financier. Alors, faites attention à ça, hein, soyez modérés, hein, tempérance, le diable, l'asservissement, les dépendances. Il faut diminuer, il faut tempérer tout ça. Parce que des choses doivent changer ici. Hein. Il faut éliminer de votre vie ce qui vous nuit. Et il faut également être dompter hein, vos passions peut-être qui vous mènent à faire certains excès ici. On a la carte de la force hein, avec cette dame qui est en train de dompter la bête ici. Alors, on a vu ici deux aspects. On a vu l'aspect des divertissements, donc dompter la bête au niveau des divertissements, hein, avec le diable qui vient nous dire de peut-être faire attention à certaines dépendances. Mais ici, la carte de la force peut venir nous parler aussi d'un excès au niveau de la sexualité aussi. Hein, donc, vous avez besoin de dompter vos passions, hein, vos passions, qu'elles soient d'ordre sexuel, qu'elles soient d'ordre de substances, hein, alcool, drogue, peu importe. Hein. Alors, il y a quelque chose ici que vous devez dompter. Vous devez vous dompter vous-même hein, pour arriver à un certain équilibre et une certaine modération ici. D'accord? Alors, pour vous les vierges, et je vais faire la coupe tout de suite pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges en supplémentaire? Alors, on vous dit que vous devez cesser d'avoir peur. Hein? Ici, on a la lune. Hein? On a la lune qui s'est présentée également ici. Cessez d'avoir peur et créez-vous un beau monde, en fait. Hein? Parce que la carte de l'impératrice, hein? L'impératrice, ça représente Vénus, c'est la beauté. Et on vous invite à créer un monde de beauté autour de vous. De ne pas avoir peur hein, de ce qui vous attend, hein, peut-être ce qui vous a fait paniquer ici, ne pas avoir peur de ça. Créez-vous un beau monde et peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous êtes enceinte, hein, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais peut-être que, en tout cas, on voit que vous êtes en gestation pour certaines d'entre vous. Alors, tout ça va venir peut-être équilibrer hein, cet aspect ici. Pour vous, va vous permettre de vous stabiliser. Le fait de déménager, le fait pour certaines d'entre vous d'être enceinte, hein, ça va venir vous équilibrer un peu, mettre de l'équilibre dans votre vie. Mais surtout, n'ayez pas peur. D'accord? Alors voilà pour les vierges. Alors maintenant, pour le Capricorne, la coupe et message supplémentaire, si le besoin est bien sûr, pour le Capricorne. Énergies générales du mois de juin 2019. Pour le Capricorne. Ok, on a quelques cartes qui sont sorties pour le Capricorne. J'arrête ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le pour le Capricorne. Ouais. Alors, mes chers Capricornes. OK. Alors, ce qu'on nous dit, je vais vous montrer les cartes ici en face parce que là, il y a tellement de cartes que vous allez être mélangés.
Alors, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que on a vu que pour certains, vous aviez peur hein, de cette histoire de déménagement, vous étiez indécis, bon, tout ça. On nous parle encore ici que vous êtes dans la retenue face à ça, hein, dans l'indécision, dans la retenue. Par contre, vous devez prendre une décision assez rapide. Hein. On a le chevalier d'épée ici, donc vous devez prendre une décision rapidement. Parce que vous allez bientôt peut-être vous retrouver dans une situation de manque hein, si vous continuez ce comportement ou bien ce mode de vie ici. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation de manque. On avait exactement la même carte ici qui est apparue dans le domaine professionnel. Alors voyez-vous, vous avez des décisions à prendre assez rapidement pour éviter. Peut-être que le fait d'emménager avec cette personne-là va vous aider au niveau financier aussi, hein? Parce qu'on a vu ici que une de vos peurs ou de vos insatisfactions ici, c'était le roi de deniers. Peut-être que vous manquez de ressources et vous avez l'impression que vous devez attendre d'avoir davantage de ressources avant de passer à la prochaine étape. Mais c'est peut-être le fait d'emménager avec cette personne-là qui va régler le problème de manque au niveau de ressources financières, d'accord? Alors, l'indécision ici, c'est probablement des peurs non fondées, hein, des idées que vous vous forgez vous-même, mais on vient vraiment dans le tirage ici vous encourager à enlever le bandeau de vos yeux, à voir la vérité en face et à voir que peut-être que ça sera un service à vous rendre vous-même si vous acceptez, hein, peut-être. Parce que votre intuition vous parle. Je suis certaine que votre intuition vous dit le meilleur chemin à suivre. Et je ne suis pas en train de vous influencer, hein. Je vous dis simplement ce que les cartes nous disent ici. Si vraiment vous sentez que ce n'est pas le moment parce que c'est trop rapide, alors à ce moment-là, vous mettez un frein. Mais si tous les éléments, parce que ici, la carte du 8 de bâton, hein, nous parle, oui, de rapidité, de changement, mais nous parle aussi que on a mis tous les éléments en place pour arriver à un certain but. Hein, à une certaine. Regardez ici, on a le chariot ici. Alors, les éléments ont été mis en place pour la réussite de ce projet. D'accord? Alors, si c'est votre cas, oubliez, arrêtez d'avoir peur. Hein, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Par contre, si vous sentez que c'est trop rapide vraiment et que les éléments ne sont pas tous en place pour que cet événement-là puisse avoir lieu. Alors à ce moment-là, c'est vous qui devez décider hein, ce que vous faites avec le message reçu aujourd'hui. Et la coupe pour vous, les poissons, tout simplement. Alors, voyez-vous, vous avez vraiment votre réponse. Hein? On a un amour extraordinaire avec le 2 de coupe ici. Vous avez vraiment quelqu'un dans votre vie hein, qui est vraiment, pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein, ça ne parle pas à tous les poissons, les poissons, les capricornes, bien sûr, hein, mais pour ceux que ça concerne, vous avez vraiment un bel amour ici, une belle connectivité, quelque chose de sérieux, quelque chose de spécial en fait ici. Et on vient vous dire avec le pape que vous allez probablement officialiser les choses. Et la façon d'officialiser les choses, ça peut être avec un mariage, des fiançailles, mais ça peut être aussi en acceptant d'emménager avec l'autre personne. Hein. Ça aussi, ça peut faire preuve d'officialisation. On a vu qu'il y avait peut-être certaines personnes d'entre vous qui désiraient avoir fondé une famille ici. Et on a quelque part ici la belle carte de l'impératrice qui s'est présentée également. Alors la carte de l'impératrice qui vient vous dire, ah, c'était dans la coupe tout à l'heure, qui vient nous dire que vous êtes peut-être prêt justement à fonder une famille et à officialiser les choses ici. D'accord?
Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois de juin pour les signes de terre. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a su répondre à certaines de vos interrogations. Je vous dirais en dernier conseil, hein, premièrement, d'essayer de suivre votre intuition, de ne pas avoir peur, hein, d'ouvrir vos yeux, d'enlever le bandeau de vos yeux, mais aussi d'être dans la gratitude pour ce que vous avez, de prendre soin de ce que vous avez, peu importe que ce soit un amour, que ce soit un travail, que ce soit une relation avec Dieu ou avec la source ou avec l'univers, peu importe. Une belle relation amoureuse. Prenez soin de ce que vous avez et ne soyez pas insatisfait. Soyez plutôt dans la gratitude pour ce que vous avez. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, vierges, capricornes. C'est ici que se termine votre tirage. Donc, je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer également. Ça nous encourage. Veuillez aussi partager la vidéo. C'est important parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message et peut-être qu'ils n'attendent que ça pour passer à l'action. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux noms apparaître, de voir de nouveaux noms apparaître dans la liste des abonnés. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci et au revoir.